Hey, salut à tous! Non, bonjour à tous! C'est une baisse, oui, je vais pas changer mon intro, hein. C'est sorti tout seul. Bref, aujourd'hui, on se retrouve sur un DLC, la fuite. Oui, la fuite, c'est le dernier DLC de Battlefield Hardline. Et oui, il existe encore ce jeu, il n'y a pas de souci. Il y a même pas mal de joueurs. Sur PC, quand j'ai joué, il y avait 2500 joueurs dans le monde qui étaient connectés sur les dernières 24 heures. Bon, j'avoue que c'est pas terrible, hein. Mais pourtant, peut-être que ce DLC va un petit peu faire remonter son nombre de joueurs, vu qu'il est assez sympa, ma foi. Je vais vous donner un petit peu le contenu et vous donner assez rapidement mon avis. Il y a 4 nouvelles maps qui sont immenses, hein, c'est vraiment des plutôt grandes maps, du moins pour Hardline, hein, ça sera pas des grandes maps par rapport à du BF3 ou du BF4, mais pour du Hardline, c'est très grand. Nous avons Autoroute Pacifique, Trahison, Esquive et Train de Diversion. Donc une map dans un espèce d'énorme hangar qui ressemble beaucoup à Mirror's Edge. Alors pour tous ceux qui ont joué le jeu, qui ont joué à Mirror's Edge, vous vous souvenez tous forcément de ce passage de l'hangar où il faut monter tout en haut et s'enfuir. C'est exactement la même chose avec les grosses portes qui s'ouvrent. C'est un très gros clin d'œil et moi ça m'a vraiment fait beaucoup plaisir. J'ai bien aimé. Autrement, on a une map dans le désert qui représente une frontière. Une map très jolie, l'autoroute Pacifique. Très belle map avec les villas, la plage, la mer. Enfin bon, c'est vraiment très beau. Et nous avons aussi Esquive de train qui, comme son nom l'indique, il faut esquiver le train. Et ça, pour le coup, c'est vraiment, vraiment très fun. Enfin, moi, ça m'a bien éclaté. Encore une fois, on pourrait penser que c'est un clin d'œil à Mirror's Edge, vu que dans le premier, on devait aussi un petit peu esquiver les métros lorsqu'on s'échappait. Ce qui d'ailleurs, dans mes souvenirs, m'avait fait très très peur. J'avais sursauté. Bon là, vous allez un petit peu moins sursauter. Il met un grand coup de klaxon ou le temps d'y venir. Mais attention à ne pas vous faire écraser. Et moi, j'ai trouvé ça assez fun. Et même mieux qu'une l'évolution qui sert finalement pas à grand chose. Là au moins, il y a de l'utilité. Et je me dis, si on avait eu ça dans le métro de BF3, eh bien, il y aurait eu beaucoup de morts, hein. Autrement, il y a aussi un nouveau mode de jeu, il s'agit de capture du sac. Capture du sac, c'est un petit peu comme capture de flag, il faut eh bien, rechercher le sac dans la base ennemie et le ramener dans sa base pour marquer un point. Ça se joue en 3 points, un mode très classique que vous connaissez déjà sûrement. Ma foi, il est assez sympathique vu que pour Hardline, on joue très souvent sur la vitesse, sur les véhicules et dans cet aspect-là du jeu, il respecte bien le thème de Hardline, la rapidité, les véhicules de sport, les voitures de sport qui vont très vite pour aller d'un point B à un point A ou l'inverse. Moi je fais l'alphabet à l'envers, qu'est-ce que vous voulez? Moi je suis comme ça, c'est tout. Donc, du coup, ouais, pourquoi pas? À propos des modes de déplacement, il y a 4 nouveaux véhicules, une petite berline bien sympa, un petit peu limousine, une espèce de Subaru Impreza, toi-même représente les voitures de rallye de l'époque. On a aussi un petit coupé de luxe genre Ferrari et une autre voiture encore de sport. Bon, mais bon, voilà, c'est joli, ça va vite, c'est sympa. Nouveau gadget qui vous sera bien utile, je pense, si comme moi vous ragez contre les mines laser. Hein, je pense que c'est le cas de pas mal d'entre nous, notamment lorsque vous êtes en véhicule et qu'elles sont sur le sol. Eh bien, vous pouvez maintenant avoir un brouilleur. Alors, le brouilleur, c'est vraiment sympa, vous l'activez. Ce qui va activer une zone autour de vous et qui va donc brouiller tout ce qui est explosif, etc. Enfin, tous les éléments qui sont électroniques, hein. Donc oui, ça c'est assez pratique, ça sera sympa, ça vous sera très certainement utile. Mais bon, ça prend quand même une place dans vos gadgets. Donc à voir, est-ce que la défense vaut mieux que l'attaque? Bah ça, ce sera à chacun d'entre nous de voir selon ses préférences et sa façon de jouer. Ensuite, un super atout, une très bonne arme. La hache d'incendie. Bon, c'est pas spécialement une bonne arme, mais je trouvais ça assez fun. Bah oui, se battre avec une hache d'incendie, bah moi j'ai bien aimé casser la figure à des gens, enfin casser la figure. Pardonnez-moi l'expression, attention mon langage, je ne souhaitais pas vous enfoncer. Non mais bref, ouais, c'est rigolo, c'est fort amusant. On a aussi 4 nouveaux camouflages légendaires. Il y a aussi 3 nouvelles armes pour la classe mécanicien. La M5 Navy, M125 et l'AUG Para. Donc ça, c'est vraiment que pour la classe mécanicien. Et tout ce que je vous ai dit là, c'est dans le DLC La Fuite. Mais autrement, il y a aussi eu une mise à jour qui, cette fois-ci, concerne vraiment tous les joueurs et pas uniquement les joueurs qui ont acheté le DLC
ou qui l'ont eu avec le Premium. Donc dans ce patch, en plus pour tout le monde, il y a le mode compétition qui est arrivé. Je ne l'ai pas encore testé, je vais vérifier si ça vaut le coup. Mais sachant que déjà personne ne joue à Hardline, je vois pas trop l'intérêt d'un mode compétition. Si ce n'est que, à mes yeux, le mode compétition sera une bonne bêta pour BF5 qui sortira en 2016. D'ailleurs, on a eu quelques nouvelles informations sur la bêta, enfin, pas sur la bêta, mais sur le jeu de BF5, mais des informations qui sont pas confirmées. Alors du coup, j'hésite à vous en parler en vidéo ou pas, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir des infos sur BF5. Du moins, les infos leakées, hein, qu'on a pu entre-apercevoir, mais qu'on sait pas si c'est vrai ou pas. Donc il y aura ce fameux mode de compétition, qui est jugé en fonction de ses compétences, hein, bon, ça c'est classique. Il y a aussi beaucoup de nouvelles armes. Il y a, je crois, 7 nouvelles armes. La M5SD, la WS, la RO933M1, le pistolet G17 Race, le 1887, le 388 Recon, l'UMP9, la M39EMR et le SAR-21. Ouais, ça fait quand même pas mal de nouvelles armes, hein. Pour tous ceux qui se plaignaient du manque d'armes dans Hardline, et bien voilà, c'est réglé. Il y a quand même beaucoup d'armes en plus. Déjà dans les anciens patchs, ils avaient déjà rajouté des armes. Et donc là, franchement, ça commence à faire un bon paquet. Il y a de quoi s'amuser. Par contre, c'est un petit peu étrange, voire même très bizarre, très chelou. C'est que vous pouvez très bien jouer assaut, donc médecin, tout en ayant un sniper ou un fusil à pompe ou une carabine. Ce sont des armes qui sont pour toutes les classes. Et ça, non, moi je ne suis pas d'accord. Moi justement, j'aimais bien Hardline car il y avait peu d'armes et que chaque arme avait une attribution bien spécifique, un petit peu comme c'était le cas dans Bad Company 2. Avec les balles Magnum en plus, c'était vraiment un bon point. Finalement, ce que moi je trouvais bon dans Hardline, ils l'ont supprimé, retiré, nerfé, patché. Bref, j'ai pas aimé. Donc oui, moi je ne suis pas trop fan de ce nouveau système. Mais bon, s'ils l'ont fait, peut-être que ça plaira à certains d'entre vous. Vous me direz en commentaire un petit peu ce que vous en pensez de mettre toutes les armes un peu pour tout le monde. Bon, vous allez me dire, c'est un petit peu le cas dans BF4 aussi. Moi, personnellement, je ne suis pas fan. Autrement, je ne vois pas l'intérêt de faire des classes. Dans ce cas, autant créer sa propre classe et mettre tout ce qu'on veut là où on veut. Ça n'a plus d'intérêt de séparer 4 classes différentes. Donc, aucun intérêt selon moi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En commentaire, on ouvrira le débat et on pourra en discuter tous ensemble. Enfin, il y a eu divers correctifs et petites améliorations dans les détails, mais que je ne vais pas vous citer. Mais il y a une chose qui peut être assez intéressante, c'est que le bouclier peut maintenant tuer en 2 coups. Et tuer en 2 coups de bouclier, c'est quand même beaucoup mieux qu'actuellement, enfin qu'avant, où il fallait 150-12 000 coups pour tuer un mec. C'était un petit peu n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne chose, ça va peut-être redonner un petit peu envie aux gens de jouer au bouclier, qui est pourtant, dans l'idée, un très bon accessoire, hein, une très bonne arme, comme on peut le voir dans d'autres jeux. Dans Rainbow Six par exemple, il est ultra utile et efficace. Mais bon, les maps de Rainbow Six et le mode de jeu s'y prêtent aussi beaucoup plus, hein, forcément. Donc voilà un petit peu pour les informations. Je vous ai donné rapidement aussi mon avis. Bon, je n'ai pas encore beaucoup joué, hein, c'est vraiment la première découverte. Bon, après, je vous avoue qu'actuellement, je suis beaucoup plus concentré à jouer à Rainbow Six, que j'apprécie vraiment beaucoup, plutôt que Hardline. Mais bon, voilà, hein, on verra. Moi, j'attends plutôt BF5, je vous avoue. Hardline, je m'y suis finalement lassé, assez bizarrement, car moi, j'aime bien le jeu, mis à part le fait qu'on se fait OS. Mais bon, bah voilà. Bref, sur ces bonnes paroles, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine, une bonne année, enfin bref, tout ce que vous voulez. J'espère que dans tous les cas, que ce sera pour le mieux, que vous vous éclatez bien, que ce soit sur Hardline ou un autre jeu, et que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, un commentaire pour partager votre avis, vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis bye bye et à la prochaine.